Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une recette parfaite pour l'automne que nous vous proposons avec ce poulet sauté aux champignons et carottes. Nous aurons besoin de 2 blancs de poulet, 4 carottes, 7 champignons, de l'oignon vert, de l'estragon, des herbes de Provence, du sel, du poivre et de l'huile. Allez, on commence. Allez, on va couper nos carottes. Hop. Allez, on réserve les carottes. À présent, on coupe nos oignons verts. On réserve, on coupe nos champignons, et voilà, allez, on réserve nos champignons. À présent, nous allons couper nos blancs de poulet. On coupe en fines tranches. Ça, ça va cuire vite et ça va rester moelleux. Et voilà, le poulet est coupé en réserve. Allez, dans notre casserole, on met de l'huile et on vient mettre nos carottes. On assaisonne. On fait du poivre. Allez, on couvre. C'est important, c'est de couvrir rapidement, ça permet de faire monter en température et de remuer tous les 2 à 3 minutes pour ne pas que ça colle au fond. Alors, on commence sur nos carottes. On va les retirer du feu en laissant le couvercle dessus. Ça va continuer à cuire dans la casserole. Allez, dans notre poêle, on met de l'huile. Hop là. On va y mettre nos champignons. Allez, un petit peu de sel. De Provence. On va remettre un petit peu d'huile. Voilà, les champignons sont prêts. On va ajouter nos carottes, nos oignons verts. Allez, on réserve un petit peu d'huile, vraiment léger. Voilà. Et on va faire cuire nos blancs de poulet. On assaisonne un petit peu. Ça fait très bon. Et nos herbes de poulet. Thank you.
et à présent on rajoute nos légumes. Bon ben voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à dresser et passer à la table. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On va se régaler, regarder ce poulet sauté aux champignons et carottes. Ça va être excellent. Allez, maintenant, c'est à vous de jouer. Nous, on passe à table. À bientôt.